Bienvenue les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la thématique de la vidéo, c'est la Chypre du Nord versus la Biélorussie. Alors, dans cette vidéo, je vais te comparer les deux pays en fonction des flux d'étudiants qui vont là-bas étudier. Alors, si tu aimerais savoir quel est le meilleur pays pour toi destiné à aller étudier, juste regarde cette vidéo. On se retrouve tout à l'heure après l'intro. Big up! De retour. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne YouTube, moi c'est Franck, propriétaire de la chaîne étudiant en Chypre du Nord. Et sur ma chaîne YouTube, je développe le sujet de l'entrepreneuriat, du business des étudiants en Chypre du Nord. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne YouTube, n'hésite pas d'un, de t'abonner, de 2, de smasher la cloche de notification pour être toujours notifié quand je publie une nouvelle vidéo, et de 3, de liker et partager les vidéos. Alors, si toi tu aimerais poursuivre tes études en Chypre du Nord, juste contacte-moi, va dans la description de cette vidéo, tu verras mon email, mes différents groupes WhatsApp, mon groupe Telegram. Alors juste joins ces différents groupes et tu pourras m'écrire en inbox. Avant de commencer la vidéo, je vais vous situer la Biélorussie. La Biélorussie est un pays d'Europe orientale dont la monnaie utilisée c'est le ruble biélorusse. Et présentement, le taux de conversion d'un euro en ruble biélorusse est égal à 2,57. Cette vidéo est à titre informatif. Maintenant, le choix reste à vous de décider dans quel pays vous souhaiterez poursuivre vos études. Durant ces deux dernières années, la Biélorussie et la Chypre du Nord sont des destinations les plus prisées pour les études à l'étranger. Donc, il y a beaucoup de personnes qui voyagent de l'Afrique, précisément de l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone, qui se dirigent soit en Biélorussie, soit en Chypre du Nord pour poursuivre les études. Alors, quelle est la différence entre la Biélorussie et la Chypre du Nord? Quelle est la procédure de la Biélorussie et quelle est la procédure de la Chypre du Nord? Alors, si tu es nouvelle dans cette vidéo, juste make sure to subscribe to this channel. Alors, regarde cette vidéo jusqu'à la fin si tu aimerais savoir toutes ces différentes informations. Alors, la procédure entre la Chypre du Nord et la Biélorussie, c'est pratiquement la même chose. Alors, je m'en vais vous citer la procédure de la Biélorussie. La différence entre la Chypre du Nord et la Biélorussie, c'est quoi? Pour étudier en Biélorussie, d'un, vous devez contacter une université là-bas ou soit passer par quelqu'un qui vit là-bas. Ça peut être un étudiant ou c'est pas une agence dans votre pays qui va entrer en contact avec l'université. Et vous allez envoyer vos différents documents à cette personne ou à cette agence-là. Et ils vont prendre vos différents documents, déposer à l'université. Alors maintenant, l'université va délivrer une lettre qui est appelée une lettre d'admission. C'est maintenant cette lettre qui sera comme votre visa. Alors maintenant, lorsque vous allez recevoir cette lettre, avec cette lettre, vous allez aller à l'ambassade dans votre pays. Maintenant, ça dépend. La Biélorussie, c'est un peu comme la Chypre du Nord. Ce n'est pas dans tous les pays africains qu'il y a l'ambassade ou le consulat biélorusse. Donc déjà, ce qu'il faut retenir, il y a quelques pays dont en Afrique où il y a le consulat biélorusse, tels que l'Angola, le Ghana, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Alors d'autres pays comme, je vais citer le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, et etc., la Guinée, il n'y a pas de consulat ou d'ambassade biélorusse. Alors voici comment la procédure fonctionne maintenant pour ces pays-là. Lorsque vous recevez cette lettre d'admission, venu de l'université ou de la personne à qui vous avez remis vos différents documents ou de l'agence par laquelle vous êtes passé, c'est avec ce document-là maintenant que vous allez aller faire l'achat de votre billet d'avion. Alors maintenant, lorsque vous avez reçu votre lettre d'admission, vous allez faire l'achat de votre billet d'avion. Et lorsque vous avez le billet d'avion maintenant, vous scannez le billet d'avion, vous l'envoyez à la personne qui a pris votre admission, soit à l'agence, comme je l'ai dit, si vous passez par une agence, à la personne qui a pris votre lettre d'admission, vous allez envoyer le scan de votre billet d'avion et il va aller déposer maintenant à l'immigration en Biélorussie. Alors maintenant, l'immigration en Biélorussie va vous donner maintenant un OK to board en fait. Donc c'est comme un laissez-passer. C'est la seule différence un peu avec la Chypre du Nord. La Chypre du Nord, la majorité des pays africains, c'est visa free en fait. Donc le visa se donne ici en Chypre du Nord. Et vous n'avez pas besoin d'un OK to board. Donc là, c'est déjà la première différence entre la Biélorussie et la Chypre du Nord. Alors la deuxième différence encore, c'est lorsque vous allez voyager. Donc lorsque vous allez recevoir ce OK to board, vous allez préparer une somme d'argent. La somme d'argent là déjà doit contenir la scolarité, les frais scolaires en fait, que vous allez payer en Biélorussie. C'est parce que vous allez voyager avec cet argent dans votre poche. C'est pas vous allez arriver là-bas avant que la famille va vous envoyer l'argent, non. Vous allez voyager avec cette somme d'argent. Donc, ça dépend de la faculté ou peut-être du département où vous voulez étudier. Mais déjà, je crois, ces différents montants, le prix de votre scolarité sera écrit sur cette lettre d'admission. Donc, vous allez voyager avec cette somme. Généralement, c'est 3 500 $ en fait. Et la majorité des universités en Biélorussie sont des universités publiques en fait qui font cela. Ce sont des universités publiques. Et là-bas, la scolarité se paye par an.
Donc déjà, c'est un peu la différence avec la Chypre du Nord. Alors, la Chypre du Nord, la scolarité se paye par semestre. Ici, c'est permis de payer la scolarité par semestre. Donc ça, c'est la deuxième différence entre la Biélorussie et la Chypre du Nord. La troisième différence entre la Biélorussie et la Chypre du Nord, comme je le disais, quand vous allez voyager, il faut que vous voyagez avec cette somme d'argent dans vos poches. Alors maintenant, ces 3 500 $, ils contiennent l'assurance santé et votre scolarité. Et aussi, vous pouvez ajouter à cela votre argent de poche. Donc, ne jamais voyager sans un argent de poche. Un argent qui vous servira à payer votre logement là-bas. Et aussi, lorsque vous arrivez à l'aéroport international de Minsk, qui est la capitale de la Biélorussie, vous allez payer les frais du visa. Donc, c'est maintenant là-bas qu'ils vont vérifier vos différents documents, si tout est clair, si tout est à jour. Ils vont mettre le visa sur votre passeport. Donc, c'est à l'aéroport international de Minsk qu'on va remettre votre visa, donc le vrai visa en fait, sur votre passeport. Donc, on va mettre le visa sur votre passeport en vérifiant que vous avez voyagé avec cette somme d'argent. Raison pour laquelle je vous dis ceci, vous devez voyager avec cette somme d'argent sur vous. C'est pas vous allez arriver là-bas et on va vous envoyer de l'argent après. Non, c'est faux. Donc là déjà, c'est la différence entre la Chypre du Nord et la Biélorussie. Alors maintenant, je vais expliquer la procédure de la Chypre du Nord pour toi qui es nouveau sur cette chaîne YouTube. Alors, la procédure de la Chypre du Nord, elle est assez simple. Pour voyager pour la Chypre du Nord, présentement, la situation est un peu changée que par le passé en fait. Donc, la procédure de la Chypre du Nord était plus facile par le passé, mais vu la venue du COVID-19 et il y a eu certaines restrictions, donc la procédure est devenue un peu plus compliquée en fait. Donc, il faudra vraiment passer par quelqu'un qui va te donner les directives. Quoi faire en fait durant toute ta procédure pour que tu ne t'égares pas à la fin en fait. Alors la procédure de la Chypre du Nord c'est quoi? C'est de contacter quelqu'un qui vit en Chypre du Nord. Les procédures de toutes mes différentes personnes qui me contactent. Donc si tu aimerais poursuivre tes études en Chypre du Nord, je le dis encore, encore et encore. Juste veuillez me contacter et vous allez éviter tous vos différents soucis et éviter aussi de vous faire arnaquer bêtement. Alors comme je disais, la procédure de la Chypre du Nord elle est assez simple. Vous devez avoir, ça dépend aussi de la faculté ou du niveau scolaire dont vous voulez étudier. Bon, je vais prendre un niveau bachelor, bon, c'est licence. Alors, pour toi qui aimerais venir pour cette étude en Chypre du Nord, il te faut un baccalauréat. Le baccalauréat, le relevé du baccalauréat aussi, et ton passeport. Donc, ces trois documents, le baccalauréat, le relevé du baccalauréat et ton passeport. Alors, ces trois documents, parmi ces trois documents, tu vas traduire deux documents en anglais qui est le baccalauréat et le relevé du baccalauréat. Donc, la majorité des universités ici, ils utilisent le système anglais en fait. Dans la majorité des universités, si les cours sont donnés en anglais. Alors maintenant, c'est aussi à l'étudiant de faire un choix. Tu peux faire les cours en anglais, soit en turc. Mais la majorité des étudiants étrangers ici, c'est conseillé d'étudier en anglais. Donc là, déjà, c'est le conseil qu'on vous donne. Alors, comme je l'expliquais, la procédure de la Chypre du Nord est assez simple. Lorsque vous avez traduit vos différents documents, vous l'envoyez. Peut-être chez moi, vous l'envoyez chez moi. Maintenant, je vais déposer ces différents documents à l'université. L'université va délivrer la lettre d'acceptance, la première lettre. Alors, c'est cette première lettre qui vous permettra de faire le paiement de votre scolarité. Donc, ça va être cette lettre d'acceptance, vous allez faire le paiement de votre scolarité à l'université. Alors, lorsque vous faites le paiement depuis votre pays, vous m'envoyez le reçu. Et maintenant, je prends le reçu, c'est pratiquement la même chose comme la bulle ici, je prends le reçu du paiement. Et maintenant, la différence, c'est quoi? C'est que vous faites le paiement de la scolarité avant de voyager. Or, qu'en bulle ici, vous faites le paiement sur place, en fait. La deuxième, je vais continuer la procédure. Comme je l'ai dit, vous faites le paiement, vous m'envoyez le reçu. Et en même temps, je prends le reçu, je dépose à l'université. Maintenant, l'université va délivrer la deuxième lettre qui est la lettre d'admission. Alors, c'est ce document qui sera un peu comme votre visa qui va vous permettre de voyager jusqu'à arriver à l'aéroport international d'Erjan. Alors, ça, c'est la partie simplifiée de la procédure dont je vous ai détaillé dans la prise d'admission. Alors, maintenant, après cette partie, une deuxième partie qui va venir de la personne qui va gérer votre procédure. Donc, cette deuxième partie-là, ça viendra vraiment de la personne qui va gérer votre procédure. Donc, il vous dira maintenant les dernières choses à faire, comment préparer vos différents documents, les différentes choses qu'il faut préparer pour votre quarantaine en Chypre du Nord, parce que c'est cette partie-là vraiment qui est un peu difficile en fait. Alors, ça, c'est un peu la différence de la procédure entre la Biélorussie et la Chypre du Nord. Et aussi, il y a quelque chose que vous devez savoir vraiment d'important, donc raison pour laquelle je vous ai demandé de regarder la vidéo jusqu'à la fin, parce que j'ai gardé le meilleur pour la fin. Alors, il y a une petite différence entre la Biélorussie et la Chypre du Nord. Alors, l'État biélorusse, encore c'est un ancien État de l'Union de l'URSS, en fait, donc les pays de Russie, Biélorussie, etc. Dans ces pays-là, en fait, il est interdit aux étudiants étrangers de travailler. Donc, c'est la seule différence entre la Chypre du Nord et la Biélorussie.
En Chypre du Nord, il est permis aux étudiants de travailler. Donc, ce n'est pas interdit à un étudiant en Chypre du Nord de travailler. Donc, c'est la seule différence en fait. En Biélorussie, c'est interdit. Alors, maintenant, pour toi qui es en Biélorussie, si on te trouve en train de travailler, soit on risque de t'amender, soit peut-être tu risques de faire de la prison, soit on va te renvoyer directement dans ton pays. Alors, maintenant, pour certains qui sont agiles, qui ont le sens du business, vous pouvez plutôt faire du business en Biélorussie. Alors, ça, c'est un peu la différence avec la Chypre du Nord. Or, en Chypre du Nord, vous pouvez travailler. Si vous trouvez une opportunité de travail, si vous trouvez des jobs, vous pouvez le faire en fait. Donc, ça, c'est la différence entre la Chypre du Nord et la Biélorussie. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer la procédure de la Chypre du Nord et de la Biélorussie. Si tu as des questions là à propos, n'hésite pas à me les poser dans la partie commentaire. Alors, comme je le dis encore, pour ceux qui aimeraient pousser l'étude en Chypre du Nord, juste veuillez me contacter en fait. Mes différentes informations, mes différents réseaux sont dans la description de cette vidéo. Soit vous pouvez me contacter par mon compte Instagram, vous pouvez me contacter via mon groupe WhatsApp, via mon groupe Telegram, soit par mon email adresse en fait. Donc, tous mes différents contacts sont dans la description. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager et t'abonner si tu es nouveau sur cette chaîne YouTube. Moi, c'est Franck, propriétaire de la chaîne étudiant en Chypre du Nord. Alors, à nous revoir dans une nouvelle vidéo sur une nouvelle thématique. Bye!